Quatrième et dernier temps donc de notre semaine consacrée à la contre-révolution et à son histoire à l'occasion de nombreux ouvrages qui paraissent sur ce thème en librairie. Depuis lundi, nous avons évoqué la figure de Maurras, celle des fribourgeois et des émigrés contre-révolutionnaires et la vie également des couples pendant la Révolution française. Trois émissions que vous pouvez réécouter sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez également les télécharger pendant toute la semaine donc, et puis laisser vos commentaires, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à un continent perdu, celui justement de la contre-révolution, qui était donc tout au long du 19e siècle ceux qui en France, en Espagne, en Italie, au Portugal cherchèrent à propager l'esprit contre-révolutionnaire. Par quels moyens tentèrent-ils de le faire, excusez-moi, par les armes ou encore par les œuvres de fiction? Quelle société voulait-il? C'est la question que nous allons poser avec Perrine Kervan de la Fabrique de l'Histoire, avec Jean-Clément Martin. Il est professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution française, directeur de l'ouvrage collectif Le Dictionnaire de la Contre-Révolution, qui vient de paraître chez Perrin. Hilaire Multon était historien, spécialiste de l'Italie au 19e siècle. Il est par ailleurs conseiller patrimoine, musée et archives auprès du ministre de la Culture. Et Simon Sarlin est docteur en histoire, spécialiste des carlistes en Italie, membre de l'École française de Rome. Et tous les deux, donc Hilaire Multon et Simon Sarlin, ont participé à ce dictionnaire de la contre-révolution chez Perrin avec Jean-Clément Martin. Et nous avons également avec nous Judith Lyoncamp, elle est maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directrice du Centre de recherche historique, historienne des rapports entre histoire et littérature, surtout au 19e siècle. Et elle vient de publier avec Christian Jouhaud un article sur Valognes, la patrie de Barbey d'Aurevilly, un article dans la revue de psychanalyse Pensée-Rêver, dont le titre de cette revue, ce numéro de revue, est « Le temps du trouble ». Alors tout de suite, peut-être Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour. Il faut, j'ai dit continent perdu à propos de ce continent de la contre-révolution. On a l'impression qu'un dictionnaire comme celui-ci et différentes parutions que nous avons mentionnées tout au long de la semaine, nous font ressurgir des noms, des visages, des personnages qui, pour la plupart, nous étaient inconnus. Alors, pas Barbey d'Aurevilly, pas Balzac, pas Monseigneur Pie, peut-être, mais disons beaucoup de figures qui sont totalement inconnues, comme si elles étaient restées dans l'ombre de l'histoire, Jean-Clément Martin. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, c'est par là qu'on peut aborder la contre-révolution, au sens où on l'entend dans ce dictionnaire, puisque le dictionnaire ne s'intéresse véritablement qu'à ces mouvements qui sont nés en réaction aux réformes et à la Révolution française et aux réformes qui ont précédé la Révolution française et à la Révolution française elle-même et qui ont duré ensuite tout au long du 19e siècle en réaction à l'idée révolutionnaire issue de cette révolution. Et il faut être extrêmement précis puisqu'il y a dans toutes les révolutions du monde, il y a eu des contre-révolutions différentes. Nous ne sommes intéressés qu'à cette forme de contre-révolution, dans un sens à cette contre-révolution originelle, si j'ose dire, peut-être la plus pure, puisqu'elle est vraiment contre la révolution matricielle de la modernité, qu'est la Révolution française. Donc, c'est par là qu'il faut vraiment commencer. Et la deuxième chose, c'est que cette contre-révolution a effectivement, sous cette forme-là, duré approximativement de la fin du 18e, certainement dans sa forme active jusqu'à la fin du 19e, pour, après la fin du 19e, continuer à exister, certes, par des formes culturelles. S'édulcorer d'une certaine façon en forme culturelle. Oui, ou avoir des épigones et des héritages qui sont éventuellement politiques, mais qui sont mêlés à autre chose. Donc on a affaire là à une présence mais européenne, voire en Amérique latine, collective, pendant à peu près donc un siècle, et qui a une présence qui espère reprendre le pouvoir, reprendre la main. Il y a aussi cette dimension effectivement de conquête, soit par les armes, on en parlera, soit par d'autres moyens plus politiques, de retour évidemment de la royauté, mais de retour à une sorte de royauté originelle d'avant la Révolution française aussi. Il y a cet espoir-là, en tous les cas, chez beaucoup. Oui, moi je dirais un peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement une reconquête du pouvoir, c'est-à-dire on n'a pas envie de revenir à l'ancien régime, surtout quand il s'agira des carlistes en Espagne, des miguelistes au Portugal. Ou des brigands de l'Italie, c'est pas seulement ça, c'est plus exactement, me semble-t-il, le désir, la volonté de réinstituer un ordre qui a disparu. Et bon, à titre personnel, mais je ne pense pas que les différents auteurs, nous sommes 47 à être dans ce dictionnaire de la contre-révolution. Je pense qu'on doit être à peu près tous d'accord. On n'en a jamais vraiment débattu, hein. Je dois le dire franchement, mais il me semble que là-dessus, on doit être d'accord. C'est-à-dire, la contre-révolution, c'est sans doute cette volonté de réinstituer cet ordre divin, cette société verticale, Dieu au sommet, le roi au milieu, les sujets à la base, mais le père au sommet de la famille, la femme et les enfants. Donc on est là... Une société verticale contre la société horizontale qui est en train de s'établir après la Révolution par la modernité. Perrine Kervan. Oui, c'est aussi la question d'un combat pour le retour d'un ordre qui devait être éternel. Il y a aussi un peu cette idée-là. Et c'est quelque chose qui, au départ, est une lutte concrète contre un fait qui vient de s'établir et puis qui devient ensuite une idéologie, un courant de pensée, pratiquement. Mais seulement à la fin du 19e. Voilà. Parce que la lutte concrète, et je pense que c'est ça, ça fait partie aussi du continent perdu. La lutte concrète, ça veut dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, des individus, au nom de cet idéal-là, qui est vraiment un idéal, bon, qu'on peut aujourd'hui trouver complètement désuet, incompréhensible à la limite. Mais au nom de cet idéal-là, des individus ont risqué leur vie et l'ont parfois perdu, souvent perdu, que ce soit en Italie, en Espagne, au Portugal, ou aussi, et ça fait partie du dictionnaire, au Transvaal, dans la guerre des bourgs, quand quelques-uns de ces soldats perdus sont allés se battre au nom de cet idéal-là. Alors, Hilaire Multon, vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de l'Italie du 19e siècle, et vous participez à ce dictionnaire en même temps que vous publiez avec Bruno Dumont aux éditions de l'école de Rome, française de Rome, dans une quinzaine de jours, un livre justement qui tente aussi là de rassembler des études multiples autour de cette influence de la contre-révolution et de ces blancs dans l'Europe du 19e siècle. Donc ça veut dire que c'est un mouvement, comme on a parlé de l'expansion du mouvement révolutionnaire après la Révolution française et de son écho politique et militaire dans l'ensemble de l'Europe, il y a une sorte de contre-mouvement, contre-révolutionnaire qui fait la même chose et qui tente de s'établir dans différents endroits, dans différents contextes, en ne les mélangeant pas bien entendu, mais avec des soldats par exemple ou des chefs de guerre qui vont d'un théâtre d'opération à un autre. Hilaire Multon. Oui, bonjour Emmanuel Laurentin. Et absolument, c'est-à-dire que on a essayé de cartographier ce que l'on a évoqué sous le mot de culture politique blanche pour bien montrer ce que précisait Jean-Clément Martin, c'est-à-dire qu'il y a une bataille autour de principes, de valeurs, avec l'idée d'un ordre ancien qui doit être réétabli, qui passe par un certain nombre d'engagements territoriaux, locaux, mais qui se constituent en réseaux. Il y a véritablement des réseaux. Il y a un volume qui a été publié il y a quelques années sur l'international noir, l'international clérical, qui est un des aspects de ces réseaux. On a également les réseaux militaires, le volontariat militaire autour de poches de résistance, de zones de résistance. C'est le cas pendant les guerres carlistes. C'est le cas dans la période de brigandage. On voit des gens qui ont expérimenté, par exemple, le combat vendéen ou des combats de ce type pendant la Révolution française. Une fois que ces combats sont perdus, s'en aller ailleurs, repartir avec leurs armes et puis suivre des chefs de guerre qui vont combattre un peu partout. C'est le cas de Cathelineau. C'est le cas, par exemple, dans la question qui est un des creusets de l'engagement blanc autour de cette idée qu'il y a un rétablissement d'un ordre, mais aussi l'idée d'un messianisme. Il n'y a pas simplement la conquête d'un pouvoir temporel. Il y a l'idée qu'ils sont porteurs d'une mission. D'une espérance, entre guillemets. Et l'un des points de fixation et l'un des abcès de fixation, c'est la question romaine. Et donc les zouaves pontificaux et notamment toutes les familles héritières de la tradition vendéenne. Ce qu'on appelle la question romaine, c'est toute la question des territoires pontificaux, de la place de ces territoires pontificaux dans l'Italie du début du 19e et ensuite après 1848 et plus tard du Risorgimento. Exactement, puisque l'Italie est composée de plusieurs ensembles étatiques, plusieurs dynasties. Le pape prend en écharpe du Latium jusqu'aux Romagnes et à partir de l'émergence d'un mouvement patriotique contre la présence autrichienne, se pose la question des États territoriaux du pape. Et on a un engagement de jeunes soldats venus de toute l'Europe, de Belgique, de France. Il y a des zones de force qui sont le Massif central, on y reviendra, la Bretagne, l'Ouest français, des zones de catholicité héritières de la tradition vendéenne, qui vont s'engager. Donc il y a un volontariat qui se crée, des luttes militaires, des points de fixation qui constituent une sorte de réseau de culture avec des réseaux sociaux bien identifiés. J'ai parlé du milieu clérical, on pourrait parler des médecins catholiques, on pourrait parler des milieux agrariens. Tout cela constitue une cartographie. Les milieux nobiliaires, évidemment, avec des héritages familiaux sur plusieurs générations. Vous dites, Jean-Clément Martin, en ouverture de ce dictionnaire de la contre-révolution, qu'il ne faut pas imaginer que, disons, il y a une pensée contre-révolutionnaire avant une sorte d'action contre-révolutionnaire. Il y a des gens qui, de façon épidermique, se lèvent contre l'expérience révolutionnaire et petit à petit, cette expérience par le bas se cristallise, se théorise. Il y a des penseurs qui s'installent à partir de cette expérience sur la nécessité de penser ce mouvement et donc qu'il ne faut pas penser d'abord les penseurs et ensuite l'expérience, mais plutôt le contraire, Jean-Clément Martin. Oui, ça, je vous remercie beaucoup de me donner de la parole sur ce sujet-là auquel je tiens beaucoup. En général, la contre-révolution a été présentée par les penseurs Burke, Mestre, Bonal. Joseph de Maistre et Bonal, voilà, dont on a parlé lundi à propos de Maurras. Ça, absolument. Ou autour des grandes familles, notamment aristocratiques. Or, il me semble que ceux qui se... Bon, ils existent, hein, ces deux courants existent, on ne va pas dire qu'ils n'existent pas, il ne faut pas les minorer. Mais en même temps, ce qui se produit, ce qui va être la chair de la contre-révolution, c'est qu'il existe cette culture d'une société verticale, et peut-être qu'il faut revenir dessus. La société verticale est une société de réciprocité. Noblesse oblige, ça veut dire aussi qu'on doit tenir compte des gens qui sont en dessous de vous, qui demandent des comptes aux autres, qui exigent que les nobles qui ont des privilèges soient là quand il le faut. Donc on est dans une société de réciprocité dont on a oublié aujourd'hui l'existence, dont on pourrait trouver les racines très anciennes dans le Moyen-Âge et qui est en train de prendre conscience d'elle-même et de résister dans tous les pays européens lorsque ces pays sont confrontés à la mutation révolutionnaire qui introduit un autre rapport à l'État et aux gouvernants. Judith Lyoncamp, j'ai dit bonjour, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez historienne du 19e siècle, spécialiste des questions de la littérature, de la réception de la littérature. Vous avez écrit aussi un petit livre sur l'historien et la littérature, l'histoire et la littérature. Et puis, vous venez de publier avec Christian Jouhaud dans une revue de psychanalyse qui s'appelle Pensée-Rêver, numéro 20, et dont le titre de ce numéro est Le temps du trouble aux éditions de l'Olivier, un article consacré à la ville de Valognes, qui n'est pas cartographié par Hilaire Multon dans sa cartographie comme étant, disons, un des centres contre-révolutionnaires. Et pourtant, Valognes, donc, dans le Cotentin, c'est la patrie de Barbey d'Aurevilly. Et vous vous êtes posé la question, en tant que spécialiste du 19e siècle, de cette littérature 19e siècle, justement, savoir comment s'était ancrée dans ce territoire de Valognes cette pensée contre-révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement pas un lieu central de la contre-révolution, mais c'est un lieu majeur de l'imaginaire, je crois, de la nostalgie monarchiste. Et Barbey d'Aurevilly, donc dans les romans qu'il écrit à partir des années 1850, et qui, pour beaucoup, se situe donc dans cette Normandie du Cotentin aristocratique, a fortement constitué ce lieu comme une terre tournée vers un avant qui n'existe plus. Mmh. Alors, c'est pas vraiment... Et là, je rebondis sur ce que disait Jean-Clément Martin. On n'est pas du côté d'une pensée politique. On est du côté... Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée politique chez Barbey, mais dans cette constitution d'une Normandie aristocratique, on n'est pas du côté d'une pensée politique. On est du côté d'un homme qui... D'une nostalgie ? D'un homme qui, en 1860, regarde avec nostalgie la jeunesse, le temps de sa jeunesse qui était celui de la Restauration, et d'une restauration dans le Cotentin où les vieilles personnes ont tout d'un coup eu, elles, l'espoir que leur temps d'avant à eux était peut-être en train de renaître. Donc c'est une sorte de nostalgie emboîtée dans laquelle, en fait, il y a deux temps. Il y a le temps de la Restauration et il y a le temps de l'Ancien Régime. Et ce Cotentin littéraire tel qu'il est constitué par Barbey, c'est vraiment un lieu où le temps se regarde à rebours, dans une sorte d'empilement des temps. Et alors, du coup, le présent du 19e siècle n'existe pas. Mmh. Il est dévitalisé, d'une certaine manière. L'histoire, c'était avant. Et avec la fin de l'histoire contre-révolutionnaire, d'une certaine manière, et c'est pas la pensée de Barbey qui est là, mais c'est ce que son écriture effectue, l'histoire s'est arrêtée. Alors, on parlera d'autres écrivains, évidemment, du 19e siècle, qui ont porté aussi cette pensée contre-révolutionnaire par leurs romans, par leurs écrits. Perrine Kervan. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites de Barbey d'Aurevilly, Judith Lyoncamp rejoint aussi ce qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, c'est-à-dire la question d'une culture contre-révolutionnaire, d'un environnement culturel de cette contre-révolution, et notamment la question, vous le soulevez dans le dictionnaire, du romantisme comme étant un courant littéraire contre-révolutionnaire. Jean-Clément Martin. Oui, alors, c'est une question énorme. Excusez-moi, j'en bafouille. Non, parce que le romantisme tel que nous le voyons en France fait partie d'un courant beaucoup plus vaste qui a commencé en Grande-Bretagne, qui s'est continué aussi en Allemagne, si bien que lorsque nous parlons de romantisme, de quel romantisme parlons-nous? Bon. Donc je crois qu'il faut déjà être un peu prudent. Et c'est vrai qu'ici, nous avons essentiellement insisté sur le romantisme français, dans sa variante véritablement contre-révolutionnaire, et sous une forme à laquelle, je dirais, nous sommes tous habitués, même si nous ne le disons pas aussi simplement que ça. C'est ce romantisme qui invente le Moyen-Âge en réaction à la Renaissance, qui aurait été le verrou qui a sauté, qui a entraîné donc la naissance de la Révolution. Donc le Moyen-Âge, oui, c'est-à-dire la naissance de l'humanisme et de... C'est ça. Voilà. Bon. Et moi, mais à vrai dire, moi j'y trouve aussi un autre élément, c'est-à-dire le retourner au Moyen-Âge, c'est revenir à des vraies valeurs chrétiennes, donc c'est quelque chose qui est là, profondément enraciné, et c'est retourner aussi à cet enracinement politique qu'on appelle le pactisme, qui est aussi ce fondement de cette société verticale, qui existe dans un certain nombre de régions française, italienne, portugaise et en Amérique latine, dans les sociétés coloniales, et que précisément la Révolution française... Comment on peut décrire ce pactisme comme C'est l'idée relativement simple qu'il existe un pacte entre le souverain et ses sujets. Et au passage, avec une chose sur quoi il faut insister brièvement, le pactisme suppose d'une façon très claire que si le roi devient tyran, on peut le tuer, et que tuer le tyran n'est pas un meurtre. Alors, Simon Sarlin, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous participez donc à ces ouvrages, donc le Dictionnaire de la Contre-Révolution, et puis également donc le travail donc mené par Bruno Dumont et par Hilaire Multon sur justement la question des Blancs en Europe au XIXe siècle. Vous êtes intéressé à ce cas italien particulier qui se forge justement. Dans cette Italie du 19e siècle, à partir du moment où la menace, justement, qui est considérée comme une menace de l'Italie du Nord, des Piémontais qui vont envahir le royaume de Naples en particulier, eh bien, devient de plus en plus présente. On va trouver là des soldats, dont on ne sait si ce sont des soldats perdus, en tout cas des soldats qui vont venir pour contrebalancer, éviter justement cette unité italienne qui menace, donc, selon eux, en particulier, le pouvoir du pape et le pouvoir des États pontificaux, Simon Sarlin. Oui, eh bien, cette participation des volontaires étrangers dans l'Italie du Sud ne forme en fait qu'un épisode d'une internationale blanche, peut-on l'appeler, qui parcourt tout le 19e. Alors quand on parle d'internationale, il ne faut pas penser à une organisation fixe comme a pu être l'internationale ouvrière, ni même à une alliance entre monarques ou partis, comme ont pu l'être ensuite l'internationale blanche des partis royalistes et nationalistes dans l'entre-deux-guerres, ou l'internationale démocrate chrétienne, qu'on a aussi appelée l'internationale blanche. Et il faut plutôt penser à une communauté internationale ou transnationale, d'opinion politique, de valeurs, d'intérêts, mais aussi de mémoire, qui a pu, à certains moments, susciter des mobilisations internationales, à l'occasion de guerres ou à travers l'accueil des exilés, par le don d'argent, par la prise de parole ou par le volontariat armé. Cette participation des combattants est, à mon sens, la manifestation la plus intrigante de cette solidarité internationale de la contre-révolution, puisqu'elle elle parcourt tout le siècle et qu'elle elle s'exprime à travers des engagements familiaux sur parfois 3 ou 4 générations. Mais sur quoi se porte-t-elle, cette solidarité internationale? Elle se porte sur des projets, des sujets d'études, des moments où on se dit c'est là qu'il faut aller d'une certaine façon, et comment délibère-t-on d'ailleurs quand on est entre guillemets un contre-révolutionnaire sur le sujet qui mérite qu'on se déplace et qu'on aille se battre, voire qu'on aille se faire trouer la peau en Espagne ou en Italie, Simon Sarlin? Il y a d'abord une communauté perçue des différents conflits qui sont lus selon une grille commune, l'opposition entre révolution contre révolution, et donc la communauté du danger, la communauté du péril fait naître le sentiment d'une solidarité nécessaire entre les différents mouvements contre-révolutionnaires. Et ensuite, il y a la question de l'expliquer, enfin, comment expliquer l'engagement armé qui comporte donc des risques évidents, celui de la perte de la vie. Et à cette question-là, il est difficile d'apporter une réponse unique. Il y a la force de l'engagement politique, des convictions, mais il y a aussi la soif d'aventure qu'il ne faut pas nier. Il y a aussi... Oui, soif d'aventure qu'on a attribuée aux révolutionnaires de l'autre côté, aux garibaldistes et tout ça, mais il peut y avoir une soif d'aventure de l'autre côté. Oui. Il y a une difficulté pour les contemporains et pour les suivants à accepter le principe même du volontariat, qui contrevient aux règles internationales, qui contrevient au cadre officiel de l'engagement et qui est donc toujours soupçonné de dériver de motifs non nobles, hein, l'intérêt, la soif d'aventure, voire des désordres psychologiques. C'est vrai pour le volontariat contre-révolutionnaire comme pour le volontariat révolutionnaire. Mais il y a aussi de la part des contre-révolutionnaires de véritables cultures de l'engagement politique dans laquelle l'engagement armé entre comme une composante fondamentale. Et on peut dire exactement la même chose du côté des révolutionnaires garibaldiens ou des libéraux. En fait, on peut dire que plus qu'une internationale blanche, il y a au XIXe siècle une forme d'internationalisme qui caractérise la culture politique de l'Europe romantique autour de la circulation des petits groupes, de volontaires et aussi des catégories de la fraternité dans laquelle entre la contre-révolution au même titre que la révolution. Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi, je ne sentais pas ma misère. Mais à présent que tu vis loin de moi, je manque de tout sur la terre. Je manque mélange de cette chanson, donc hymne très important au moment de la Révolution, le Pauvre Jacques, et juste avant, qui était chanté là, dans une version des disques Serpes par Pierrette Le Pen, et puis ensuite la Complainte de Louis XVI, donc Ô mon peuple, qui reprend ce même air justement pour montrer combien le sort du roi a été donc bafoué par la Révolution française. Alors, on a parlé juste avant cette interruption musicale de cette question de ce signe de reconnaissance d'une certaine façon de cette communauté contre-révolutionnaire de l'Europe du 19e siècle. Comment se reconnaît-on, Hilaire Multon, entre contre-révolutionnaires? Vous disiez des réseaux tout à l'heure. C'est quoi ces réseaux? Est-ce qu'on se reconnaît par des lectures, par une culture partagée? Quelle est-elle? Alors qu'on est italien, espagnol, portugais, français ou latino-américain. Qu'est-ce qu'on a comme signe de reconnaissance et qu'est-ce qui fait foi d'une certaine façon de sa vertu et de ses vertus contre-révolutionnaires? Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui participent de la construction de cet imaginaire collectif. Ce qui fait reposer cette culture blanche ou culture contre-révolutionnaire, c'est la question dynastique, la reconnaissance par la fidélité. Le point important, c'est la fidélité dynastique. Oui, mais, il y a différentes fidélités. Voilà, mais le mot de fidélité est un élément essentiel. Le deuxième élément, c'est la catholicité. C'est au moins pour l'Europe latine et l'Europe méridionale sur lequel a porté nos travaux, de manière à donner précisément cette cohérence. Et évidemment, ça signifie des symboles religieux. On retrouve jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la guerre d'Espagne, en 36-39, la croix comme un élément important, fédérateur, fondamental. Il y a très clairement marqué, je pense aux ouaves pontificaux, le comte Lafont, par exemple, qui publie des ouvrages dans les années 1870, l'idée de nouvelles croisades. On réinvente le mythe de croisade. Alphonse Dupront a beaucoup travaillé sur le thème du mythe de croisade. Eh bien, jusqu'au XIXe siècle, ces guerres dans lesquelles s'inscrit ce paysage de la contre-révolution et ces combats réinventés s'inscrivent dans cette mythologie de la croisade. L'autre élément, c'est bien sûr la couleur. Et la couleur, on a des diverses appréciations. La couleur qui est un véritable marqueur politique, un véritable élément d'identification. Là, on peut dire que oui, vous évoquez Maurice Agulhon avec son travail sur les Bleus et donc sur la reconnaissance des révolutionnaires et de ceux qui défendent la Révolution française par justement cette question de la couleur. Et il y a la même chose de l'autre côté. Alors, du moins dans l'espace des monarchistes français et du côté des légitimistes, le blanc de la royauté est un élément central, avec l'étendard fleurdelysé qui apparaît dans les grands pèlerinages dévotionnels du XIXe siècle, dans les grands combats. Mais on a des choses un peu surprenantes. Par exemple, les carlistes ont un béret qui les reconnaît dans la Navarre carliste, cette zone montagneuse, ce réduit catholique tout à fait essentiel et fondamental dans la mémoire de la longue durée de la contre-révolution. Eh bien, les carlistes ont un béret rouge. Et c'est ce qui va être leur marqueur, leur signe de reconnaissance, jusqu'aux engagements des carlistes dans la guerre d'Espagne entre 36 et 39, avec, on le sait, des distinctions selon les régions, selon les fidélités avec les armées franquistes. Elles participent de la lutte franquiste, mais avec des spécificités, des zones de combat. Donc il y a bien sûr la question des étendards, des drapeaux, des uniformes et deux éléments de la culture politique et de la culture sensible qui sont la fidélité et la référence à un fait religieux qui est le catholicisme. Perrine Kervan. Et est-ce que vous pensez, Hilaire Multon, que la nostalgie aussi peut faire partie de cet arsenal des contre-révolutionnaires, puisque vous avez consacré dans ce dictionnaire une notice à cette notion de nostalgie, et on a aussi cette sensation que c'est une notion qui est très présente dans l'idéologie contre-révolutionnaire. Sachant combien le 19e siècle est nostalgique en général. Oui, je pense au travail. Emmanuel Furet a participé à ce volume. Il a fait un très beau sur le temps des larmes. Chez Champvallon. Chez Champvallon, sur la question des rituels funéraires, de l'accompagnement funéraire. On est vraiment dans le siècle qui va institutionnaliser des séquences, des étapes, des lieux. Et effectivement, la nostalgie, c'est un rapport au monde. Et ce rapport au monde est partagé dans l'ensemble de ces combats. Elle participe de la constitution d'un ordre ancien immémoriel que l'on souhaite rétablir. Elle participe de cette culture sensible et d'un véritable mythe politique qui sédimente les fidélités et les solidarités. Judith Lyoncamp et puis Jean-Clément Martin. Oui, alors à partir de cette nostalgie, il y a une sorte de régime mémoriel très particulier qui se déploie. C'est-à-dire qu'il y a une obsession de la mémoire d'un temps qui n'est plus. Et alors la question qu'on peut se poser, et que moi je me suis posée en allant à Valognes d'une certaine manière... Patrie de Barbey d'Aurevilly. Comment cette nostalgie traverse le temps ? Et qu'est-ce qu'elle laisse comme trace? Et au fond, c'est une question un peu que j'avais envie de vous poser, Hilaire Multon et Jean-Clément Martin. Qu'est-ce que ce seraient les traces d'un... Est-ce qu'il y a des traces? Vous en avez trouvé une trace. Oui, justement, parce que c'était la surprise. C'est-à-dire que Valognes, qui est constituée au XIXe siècle par Barbey comme le lieu où s'est pétrifié une espèce de monde d'avant qui n'est plus. Et d'ailleurs, à propos de ce que vous disiez à propos des églises, c'était très intéressant parce que Barbey d'Aurevilly, qui n'est pas un dévot, c'est le moins qu'on puisse dire, il va dans les églises, non pas pour prier, mais pour retrouver quelque chose de l'immémorialité du temps. Et ça n'est que lorsqu'il est en marche dans les églises qu'il rentre en contact avec ce temps perdu. Et c'est vraiment le lieu du temps perdu pour lui, l'Église. Il écrit des pages absolument magnifiques là-dessus, en particulier dans le début d'une de ses diaboliques qui s'appelle « À un dîner d'athée », et qui commence justement par la marche d'un athée dans une église, mais l'athée dans l'église retrouve le temps. Et alors, donc à Valognes... y a-t-il des traces de cette nostalgie pétrifiée? Et il se trouve qu'il y en a une. Une plaque. Il y a une plaque qui s'appelle, qui dit ceci dans cette maison, ancien hôtel du Ménildo. Sa Majesté le roi Charles X, après avoir donné Alger à la France et avant de partir pour l'exil, a séjourné du 13 au 16 août 1830. Le comité royaliste de la Manche a voulu en commémorer le centenaire 1830-1930. Alors là, surprise. Qu'est-ce que, en 2010, une plaque posée en 1930 pour commémorer le passage de Charles X en 1830, qu'est-ce que fait à Valognes en 2010 cette plaque magnifiquement entretenue dans la cour d'une école privée? C'est ce que vous dites de cet enchâssement des temps, d'une certaine façon. On a une espèce c'est le temps gigogne. 1789, 1830, 1930, 2010. Voilà, et donc on a cette espèce d'ouverture là de bois de gigogne du temps. On est en 2010, on trouve 1930. 1930, on est dans une séquence monarchiste version Empire français. Hein, puisque c'est Charles X pour avoir donné Alger à la France. Donc 1930 regarde vers 1830 et 1830 regarde vers un avant qui est de l'avant que regardait la Restauration. Et c'est assez surprenant de trouver ça à Valognes en 2010, sauf que, et c'était le point d'enquête le point de départ d'une enquête qui n'est pas l'objet ici mais qui est assez étonnante, c'est que cette plaque se situe dans la cour d'un établissement où, manifestement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un camp d'internement pour des prisonniers faits par les Allemands et travaillant probablement pour le mur de l'Atlantique, dont cette plaque est probablement là, à la place d'une autre qui, elle, ne peut pas être là. Et là, on ouvre vers une question qui est celle des troubles de mémoire. De quoi on se souvient? De quoi on se souvient? Alors justement, de quoi on se souvient? Vous avez travaillé sur ça, oui, évidemment, parce que votre premier sujet d'étude, Jean-Clément Martin, c'était la question du souvenir vendéen, enfin en l'occurrence, du souvenir de la Vendée révolutionnaire. C'est vrai. Maintenant, moi, il me semble que la distinction, elle est relativement simple à comprendre, parce que on va trouver partout ce genre d'intrication des mémoires et ce genre de renvoi comme ça à de multiples strates. Et Valognes fait bien sûr penser à la pyramide qui a été dressée à Cherbourg sur le port en l'honneur précisément de Charles X, mais la colonne pour Charles X voisine avec la statue de Napoléon III sur le port de Cherbourg, hein, à quelques centaines de mètres. Donc ce qui me semble en revanche frappant pour la contre-révolution, c'est un autre point. Il ne me semble pas qu'aujourd'hui les bonapartistes se rendent à Cherbourg en pèlerinage au pied de la statue de Napoléon III. En revanche, ça pourrait être une invention intéressante. En revanche, le pèlerinage me semble être profondément, et jusqu'à aujourd'hui, une des notions essentielles de la contre-révolution. Et là, il y a quelque chose qui est enraciné dans tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La nostalgie. Sur la nostalgie, la fidélité, la transcendance religieuse, qui fait qu'il y a des lieux consacrés. Et je voudrais en citer un seul ou deux. Deux, mais c'est dans la même région, donc ça ne comptera pas. C'est Trieste et Gorizia, Nova Gorizia, donc en Slovénie, ou à Trieste, dans la basilique Saint-Just, qui est tout à fait splendide, il y a une chapelle où les carlistes d'Espagne sont enterrés traditionnellement. C'est-à-dire les prétendants carlistes sont enterrés, le dernier ayant été enterré, sauf erreur de ma part, en 1975. Et c'est au passage dans cette chapelle aussi que sont enterrées les filles de Louis XV, mais pour lesquelles il n'y a pas de plaque. Bon, je revendiquerai une plaque. Et donc, il y a là... Méfiez-vous. Oui, mais pourquoi pas. Mais il y a là une fidélité dans les pèlerinages qui tourne aussi autour d'une notion et d'un symbole dont on n'a pas dit le mot, il faut absolument le dire maintenant, parce qu'il est central dans toute cette notion de la contre-révolution, qui est le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur arboré par les combattants, mais le Sacré-Cœur aussi qui a, avec sa fonction mystique, et le Sacré-Cœur avec son enracinement sur la longue durée, et avec tous les monuments qui lui sont dédiés. Perrine Kervan. Oui, parce que comme on l'a évoqué dans le documentaire de mardi consacré à Fribourg, il y a effectivement des fils. Alors des fils qui peuvent sembler étranges quand on ne connaît pas bien les courants de pensée contre-révolutionnaires, des fils qui sont tirés entre cette idéologie du XVIIIe siècle et puis, alors on a pu l'évoquer dans le documentaire, le pétinisme, on a parlé de Maurras lundi, l'OAS... tout un éventail de courants réactionnaires d'extrême droite qui sont reliés encore aujourd'hui à cette histoire du XVIIIe siècle. Jean-Clément Martin. Oui, alors là, on aborde un autre continent. C'est le continent de la réinterprétation. Le continent, ou plus exactement, des héritages. Des héritages. Des héritages, c'est-à-dire il y a des échevaux qui après se sont prolongés extrêmement longtemps et qui se sont prolongés sous différentes formes. Moi, si je peux tirer deux fils, parce qu'il y en a deux qui me semblent vraiment extrêmement importants, un perdu, un maintenu. Celui qui est perdu, c'est tout le côté mystique, véritablement mystique, la nostalgie mystique de la fin du 19e siècle. Le Sacré-Cœur, là, justement. Alors, dans une religiosité beaucoup plus mystique encore plus. Qui débouche notamment sur les courants autour de Barbey jusqu'au Sâr Péladan. Donc tous ces gens qui, à la fin du 19e siècle, sont en quête d'une sociabilité, c'est Huysmans, c'est tous ces gens-là. Les conversions tardives d'écrivains de fin siècle. Alors oui, et qui va très très loin. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, parce qu'auquel on n'y pense pas, mais nous y avons fait des articles, des notices dans le dictionnaire exprès, c'est que la contre-révolution, c'est donc un moment de lutte contre la société verticale, qu'elle soit sociale ou socialiste ou républicaine et libérale. Et donc dans les fils issus de la contre-révolution, il y a la naissance du christianisme social. C'est au nom de Dieu qu'on défend le peuple, c'est au nom de Dieu qu'on va créer des mouvements, et notamment dans l'Ouest, qui déboucheront sur le christianisme social, sur la CFDT et partie, voir le socialisme d'aujourd'hui, le PS, et une frange du PS qui est breton en particulier là-dedans. Hilaire Multon, Judith Lyoncamp, et puis on redonnera la parole à Simon Sarlin après. Quelques éléments sur la question de la mémoire. La mémoire, c'est l'invention d'une tradition, véritablement. On réinvente, on réenracine une tradition. Et comme le disait Hobsbawm, c'est la fiction d'histoire. Dans le cadre de cette mémoire blanche, il y avait véritablement l'idée d'une fiction réinventée, d'un âge d'or immémoriel que l'on essaye de retrouver. Les traces, elles existent, bien sûr. Les plaques accompagnant les séquences des pèlerinages, les chapelles expiatoires. On pense à celle de Paris. Paul Choplin a fait dans le volume que j'ai dirigé un très beau travail sur les chapelles claires du Lyonnais, dans la région lyonnaise, et la répression des épisodes révolutionnaires pendant l'époque lyonnaise est tout à fait importante, mais aussi des grands lieux symboliques qui peuvent être Quiberon, qui peuvent être pour un certain nombre de points Rochefort, évidemment, dans la mémoire des pontons. Il y a là des ancrages spatiaux, territoriaux, qui s'accompagnent de gestes, de rituels, et évidemment d'une inscription à travers la statuaire, les plaques. On n'échappe pas dans cette culture politique qui se sédimente à ce que Pierre Nora a décrit sous le thème de lieu de mémoire. Il y a des lieux de contre-mémoire, certes beaucoup moins visibles, avec des rappels dans le temps assez surprenants. Ces hiatus dans l'histoire, ils sont assez compréhensibles dans une culture qui nie l'idée de progrès en histoire. On est là à contre-front de ce qui a porté l'idéal républicain au XIXe siècle, hérité des Lumières, et au contraire dans l'idée d'une fracture, de signes des temps, surtout dans une lecture qui est celle que la Providence amène des signes. Alors, Judith Lyoncamp, ça va passer aussi par ces récits, on a parlé de Barbey, mais de beaucoup d'autres écrivains. On évoquait Huysmans, on en évoquait d'autres à la fin du 19e siècle. En tout cas, beaucoup d'écrivains qui, pour prendre au mot le terme de fiction d'histoire qui était cité à l'instant même par Hilaire Multon, vont fictionner cette histoire contre-révolutionnaire, vont la porter au-delà dans des récits. Alors on oublie souvent que Baudelaire est nourri de tout cela. Il y a toute une littérature, toute une pensée, toute une poésie du 19e siècle qui est nourrie de cette pensée contre-révolutionnaire. Je ne suis pas sûre qu'elle soit nourrie de la pensée contre-révolutionnaire. Elle est nourrie ou elle s'intéresse du rapport au temps contre-révolutionnaire, c'est-à-dire d'un sentiment, d'un tragique de l'histoire, au fond, d'un temps brisé, de quelque chose qui ne peut pas se recoller. Du tragique aussi, d'avoir perdu aussi. Oui, d'une sorte de tragique de la perte qui nourrit une grande partie de la littérature du 19e, je dirais, indépendamment de la pensée contre-révolutionnaire. C'est très frappant chez Balzac, qui par ailleurs est un théoricien, pseudo-théoricien selon les lectures qu'on peut en faire, de la restauration monarchique. Mais il y a chez Balzac, dans sa volonté de rendre compte de ce que c'est que le présent de la France de 1840, une passion pour des endroits comme Guérande, par exemple, où le temps s'est arrêté, où le temps ne passe plus, pour des personnages qui sont des reliques du temps d'autrefois. Ce sont les vieilles personnes d'Alençon qui sont figées comme des pierres d'église dans leurs hôtels aristocratiques. Donc il y a un intérêt dans la littérature du 19e pour le tragique de l'histoire et pour la violence et pour la dimension scandaleuse. Et peut-être ceci se perd dans les héritages contre-révolutionnaires d'après la fin du 19e siècle, c'est quand même cette dimension fascinante de scandale, de subversion, de violence, de désordre qu'il y a dans l'action pour la restauration d'un ordre. Qu'il y a dans l'action contre-révolutionnaire. C'est très frappant chez Barbey. C'est-à-dire qu'il y a une passion contre-révolutionnaire qui est très hostile à la République telle qu'elle existe dans les années 1860, parce que la République, c'est une sorte d'ordre désespérant. Simon Sarlin, vous qui avez travaillé donc sur l'Italie, mais aussi sur ces carlistes, donc sur ces échanges entre pays et donc milieux contre-révolutionnaires, vous traduisez ce que vient de dire par exemple Judith Lyoncamp dans d'autres espaces géographiques, ce passage par la littérature, cette nécessité justement d'utiliser d'autres moyens que les armes pour pouvoir promouvoir cette vision du temps que vient de décrire Judith Lyoncamp. Ce sont des phénomènes qu'on retrouve un peu partout, mais une autre manière de poser la question serait se demander pourquoi certains mouvements contre-révolutionnaires ont survécu plutôt avec peine à la défaite politique et militaire. Pensons au miguelisme portugais ou au légitimisme napolitain après les guerres du brigandage qui disparaissent pratiquement de la carte. Ce qu'on appelle les guerres du brigandage, c'est donc l'envoi de l'armée du Piémont vers le sud de l'Italie pour pouvoir mettre un terme d'une certaine façon à une sorte de désordre qui est lié à la disparition du royaume de Sicile et de Naples. Oui, concrètement, il s'agit d'un phénomène de guérilla par des bandes armées contre l'autorité du nouvel État militaire. Et donc, d'un côté, certains mouvements disparaissent quasiment de la carte, et d'autres, comme le carlisme ou la Vendée, disons, militante, réussissent à survivre sous forme de contre-culture, de subculture réfractaire pendant plusieurs décennies. Donc, il s'agit de comprendre les raisons de ce qui fait... Alors, Jordi Canal, par exemple, dans ses études sur la longue survivance du carlisme, a apporté des réponses à cette question en insistant sur, d'une part, sur l'assise populaire, mais aussi sur l'importance des mécanismes familiaux et communautaires dans la transmission de la mémoire, des valeurs, et aussi sur l'élasticité de l'idéologie qui est capable de s'adapter aux différentes situations. Un autre phénomène sur lequel on pourrait attirer l'attention, ce sont les phénomènes de réinvention, de retour de ces mémoires ou de ces courants de pensée traditionnalistes qui revendiquent l'héritage contre-révolutionnaire. Et pour ça, l'Italie des 20 dernières années constitue un exemple tout à fait frappant. Ah oui ? Oui, parce que même si dans l'Italie, depuis 150 ans, on a toujours vu des groupes de pensée traditionnalistes, ces derniers ont été marginalisés, voire privés d'expression par la culture dominante, patriotique libérale ou nationaliste. À l'inverse, depuis une vingtaine d'années, on assiste à un retour en force très impressionnant de ces courants de pensée qui se montrent très actifs à la fois sur Internet, notamment. Et qui trouvent des historiens d'ailleurs pour pouvoir faire le relais de leur pensée. Alors, donc c'est un courant de pensée qui s'appuie, même de production historique, qui s'appuie sur des auteurs qui sont plutôt non universels. Oui, mais quand je dis des historiens, c'est des gens qui font l'histoire de cette période-là, et en particulier de l'unité italienne, mais vu d'un autre côté, en redonnant des raisons, par exemple, à ceux qui ont combattu pendant le milieu du 19e siècle cette unité italienne. Oui, bien sûr, oui. Il faut opposer une forme de révisionnisme de l'histoire, comme on l'appelle en Italie, scientifique, qui consiste à revoir le passé selon des critères scientifiques appuyés sur les sources, d'une forme de relecture du passé qui s'appuie clairement sur des présupposés idéologiques, disons, qui renvoient à une forme de traditionnalisme religieux, d'intégrisme religieux, de traditionnalisme politique, ou de défense des identités régionales très fortes en Italie. Ce que vous nous dites là, c'est que en fait, cette forme de la contre-révolution culturelle, etc., qu'on a développée et dont on disait elle s'arrête au 19e siècle et puis elle nourrit d'autres choses au 20e, peut renaître de façon plus sévère et plus dure, plus militante d'une certaine façon depuis une vingtaine d'années, par exemple dans l'exemple italien, c'est ce que vous semblez dire. Oui, en fonction des nouveaux enjeux de la situation culturelle et politique. Dans le cas de l'Italie, il s'agit très clairement d'une conséquence de la crise du sentiment d'appartenance nationale, de reconnaissance dans l'État depuis les années 1990, avec l'émergence de courants politiques centrifuges, les Ligues du Nord, mais aussi leurs équivalents méridionaux, et aussi un phénomène qui est plus général, pas propre à l'Italie, qui est la déploration, la tendance à déplorer les victimes, et cette vague mémorielle de patrimonialisation qui est clairement à l'œuvre dans la commémoration des brigands méridionaux, qu'on voit, sur lesquels on voit fleurir les festivals d'été. Perrine Kervan. Oui, et quand vous évoquiez tout à l'heure, Judith Lyoncamp, cette question du désordre, de l'attrait pour la violence de ces courants contre-révolutionnaires, alors qu'on pourrait s'attendre justement à cet amour de l'ordre, il y a aussi le plaisir à la fin du XIXe siècle d'être à contre-courant, d'être anti-moderne et d'aller vers la provocation. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qu'on retrouve là aussi. Bah, en tout cas, chez un écrivain comme Barbey d'Aurevilly et chez tous ceux qui ensuite s'en sont revendiqués, comme Léon Bloy, il y a évidemment une sorte de modernité anti-moderne, c'est-à-dire c'est une posture anti-républicaine, en ce que la République en 1880 ou en 1870 peut représenter une sorte d'ordre. Et Barbey d'Aurevilly a quand même cette particularité d'avoir été un écrivain catholique de droite, dont on a retiré de la vente en 1874 un recueil de nouvelles, Les Diaboliques, précisément parce que c'était trop scandaleux. Et à Valognes, dans les années 1960, Valognes qui était une ville très à droite, on a pensé à donner un nouveau nom au lycée, à nommer le lycée de Valognes. Certains ont voulu l'appeler le lycée de Barbey d'Aurevilly. Les élites locales ont dit non, on ne peut pas donner... À Valognes, un nom. Et qu'est-ce qu'on a choisi? On est allé choisir le nom du maire qui avait été nommé par Vichy, donc Henri Cornat, qui était resté maire de Valognes après sous la 4e République. Et donc, d'une certaine manière, dans la balance, le maire vichiste ou Jules Barbey d'Aurevilly. Le plus scandaleux n'était pas celui qu'on croit. Voilà. Jean-Clément Martin. Oui, je pense qu'il est vraiment très important de terminer par l'évocation de ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouve que l'intervention de Simon Sarlin le rappelait très bien. Il a parfaitement raison. Ce renouveau d'intérêt, cette présence. Il n'y a pas que les historiens qui s'intéressent à nouveau à cette question. Ah non, pas du tout. Et le débat est réel en France comme en Italie. Bon, on pourrait citer peut-être 2 ou 3 exemples. En France, on doit penser bien évidemment au Puy du Fou, même si le Puy du Fou aujourd'hui a perdu pour une partie de l'ensemble de subversion. Non, oui, mais surtout du spectacle. Le spectacle s'est détourné pour une partie de l'épisode vendéen en tant que tel. Enfin, le parcours, mais le Puy du Fou est né là-dessus, c'est une évidence. On trouve la même chose dans le parc de la Grancia, au sud de l'Italie, près de Potenza, où il y a là aussi un débat extrêmement important, et des films ont été faits en 1999 sur le brigantaggio. Un film a été fait en 2000 qui a soulevé un tollé énorme en Navarre sur le curé Santa Cruz, où le réalisateur a été menacé de mort. Enfin, donc on n'est pas dans une période calmée. En revanche, et moi je vois qu'il faut quand même en même temps terminer là-dessus, je pense, parce que ce n'est pas une fatalité. Et il existe un petit musée qu'il faudrait que nous allions visiter tous. C'est dans le Val Passirtal, au nord du Trentin italien, dans cette zone du sud Tyrol, le musée dédié à Andreas Hofer, et qui est un musée extraordinairement beau, d'abord, extrêmement bien fait, dans lequel il y a la présence de la mémoire, et c'est une présence discutée, argumentée par des historiens autrichiens, avec une richesse d'interprétation extrêmement grande, et donc on n'est pas obligatoirement embourbé, si j'ose dire, dans la nostalgie ou dans les querelles idéologiques. Oui, mais dans mentalités, dans les mentalités autrichiennes. En tout cas, Andreas Hofer reste un personnage folklorique très aimé, très apprécié en tant que... Mais le musée est d'une intelligence et d'une honnêteté exceptionnelle. Hilaire Multon. Je voulais rappeler dans les fils que l'on peut tirer dans la longue durée que Robert Martel, l'homme de l'OAS, est appelé le chouan de la Mitidja. Donc pour bien signifier qu'il y a des réseaux mémoriels, qu'il y a une récupération, qu'il y a une mythologie dans la longue durée, jusque dans les conflits de la guerre d'Algérie et des partisans de l'Algérie française. Sur ce qui concerne l'actualité, si j'ose dire, je crois que l'outil évidemment numérique, les réseaux internet sont fondamentaux et s'inscrivent dans un combat politique qui est surtout territorial. Hein. C'est-à-dire, on le voit avec l'exemple du Puy du Fou, qui a été le socle sur lequel finalement l'action politique de Philippe de Villiers a été sa base, hein, sa logique initiale. C'est la même chose dans le sud de l'Italie avec la Ligue du Sud, qui est le pendant de la Lega au nord. Et ce qui fait défaut, et on retrouve, c'est la dimension internationale précisément. C'est-à-dire, au XIXe siècle, il y a une internationale blanche, il y a des réseaux. Là, on se trouve devant des combats, des logiques territoriales, qui fait que les grands partis nationaux et les grands courants d'idées ont du mal. On est en Italie, le parc de la Grancia au sud de Potenza, on est dans le Basilicat, hein, vraiment entre la Mérionienne et l'Adriatique. Il n'y a pas véritablement de prise en charge par des mouvements de niveau national. On retrouve un certain nombre de partisans d'Allianza Nazionale, qui est l'ex-mouvement de Francesco Fini, héritier du MSI. Mais dans les faits, l'enjeu national. On pourrait dire la même chose sur le Front National actuellement. C'est une des composantes, le traditionnalisme catholique, mais très minoritaire aujourd'hui dans ce qu'est partie prenante autour de Bernard Anthony, du solidarisme, mais c'est une toute petite parcelle de la galaxie. Et c'est pour ça qu'on regarde toujours un peu ces mouvements de façon un peu folklorique ou folklorisante, sans leur donner plus d'importance que cela. Et l'intérêt tout de même de ce dictionnaire de la contre-révolution et de tous ces travaux sur la contre-révolution aujourd'hui, c'est de nous le rendre dans une épaisseur historique beaucoup plus longue et qui ne voit pas simplement ces petits mémoriaux comme étant des endroits sans grand intérêt qui sont visités par quelques dizaines ou quelques centaines de personnes par an, mais dans une histoire beaucoup plus longue qui remonte à au moins 2 siècles, Jean-Clément Martin. Oui, tout à fait. Et pour moi, ce dictionnaire, c'est pas l'exploration d'un continent inconnu, une espèce d'Atlantide qu'on redécouvrirait, c'est pas ça. C'est pour moi, avec le titre de Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine, ce que nous avons oublié, qui est toujours présent. L'envers, c'est-à-dire ? C'est l'autre côté de la médaille. C'est l'autre côté de la médaille, mais c'est la même médaille. C'est ensemble, ça marche ensemble. Judith Lyoncamp. Alors, en réponse, je dirais que Barbey a essayé pendant toute sa vie d'écrire un roman dont le titre est tout à fait révélateur, qui était « Ceux qui ne meurent pas ». Merci Judith Lyoncamp, merci à vous également Simon Sarlin d'avoir été avec nous au téléphone. Vous participez à ces 2 ouvrages, donc l'un sous la direction de Jean-Clément Martin, le dictionnaire de la contre-révolution chez Perrin, mais également un à paraître à l'école française de Rome, c'est dans une quinzaine de jours, c'est ça Hilaire Multon, co-dirigé par vous et par Bruno Dumont, dont le titre est Blanc et contre-révolutionnaire, culture, réseau, mémoire dans l'Europe du 19e siècle. Et puis il faut citer donc la parution de la revue semestrielle, donc Pensée-Rêver, numéro 20, revue automne 2011 aux éditions de l'Olivier, dans laquelle on trouve votre article avec Christian Jouhaud, consacré donc à cette étrange histoire de Valognes qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui par des jeux de mémoire très particuliers et qui troublent l'historienne, c'est ça aussi ? L'idée était de partir d'une question troublante, donc cette espèce de temps emboîté et pas très lisible, et au lieu d'essayer de détroubler l'affaire, ce que fait normalement un historien, c'était de prendre le trouble comme son objet. Merci donc à tous ceux et à toutes celles qui ont préparé cette série d'émissions, à Perrine Kervan bien entendu qui a préparé toute cette semaine avec nous, mais également à Marie-Bonne Olivier, à Aurélie Marseille, à la technique aujourd'hui, à Jean-Frédéric et à la réalisation Véronique Sabuilov. Vous pouvez écouter cette émission pendant 500 jours sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant 1 semaine. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Et vous pouvez également nous rejoindre demain si vous voulez, puisque nous sommes à Grenoble à l'occasion donc de la République des idées, donc manifestation à la laquelle participe France Culture, et nous traiterons encore un peu d'Italie, votre sujet de prédilection, Hilaire Multon, après évidemment le départ annoncé de Silvio Berlusconi, mais on traitera également des questions de l'État en France, une question fort importante avec des historiens du politique.